Bonsoir à tous et dans l'actualité, ce soir, Impact pour l'emploi, signé cet après-midi à Mulhouse. Objectif, rapprocher les entreprises et les quartiers prioritaires. Avoir son potager dans sa cuisine, c'est la tendance de ce printemps et les restaurateurs en raffolent. Un Strasbourgeois se lance dans l'aventure et puis rencontre avec des lycéens entrepreneurs. 157 équipes dans le Grand Est participent actuellement au championnat des mini-entreprises Entreprendre pour apprendre. Mais pour commencer, un mouvement de grève est annoncé dans les trams et bus de la CTS à Strasbourg donc pour ce vendredi. Trams et bus circuleront avec des horaires et des fréquences modifiées entre 6h et 20h seulement pour la plupart des lignes. Plus d'informations sur le site et l'application de la CTS. Et puis à noter que la circulation des bus et trams pourrait également être perturbée samedi en raison des manifestations prévues à Strasbourg, dont celle qui rassemblera les Gilets jaunes au niveau national. Former des jeunes issus de quartiers prioritaires et les recruter, c'est l'enjeu de la charte entreprise et quartier renouvelée à Mulhouse cet après-midi. Depuis son lancement en 2016, 19 entreprises de l'agglomération mulhousienne ont signé des conventions d'engagement de ce type. Parmi elles, Melfort, la marque emblématique de vinaigre. L'entreprise devrait embaucher au courant de l'année 2 personnes issues de quartiers prioritaires de la ville. Notre quartier, qui est un quartier prioritaire, c'est le quartier d'origine de l'entreprise, donc on se sent un peu concerné aussi par l'avenir de ce quartier. On accueille régulièrement des stagiaires de 4e ou de 3e, SECPA, notamment du Jean Massé, parce que j'ai fait ma scolarité au Jean Massé, donc j'aime bien y retourner. On fait des interventions aussi dans le collège pour un peu expliquer la vie d'une entreprise aux plus jeunes. Ils sont frais, comme on peut dire, ils sont pleins de vie, ils sont sincères, ils veulent bien faire et ça apporte vraiment de la vie. Ils ont des fois de l'humour que nous, on n'a plus toujours dans le travail. Donc, ils apportent cette dose d'humour et on apprécie vraiment d'avoir ces jeunes dans notre entreprise. 14 entreprises ont renouvelé leur engagement en signant une nouvelle convention nommée Pacte. Et 7 nouvelles entreprises de l'agglomération mulhousienne ont rejoint le dispositif. Nous allons l'élargir à d'autres villes du département du Haut-Rhin, c'est-à-dire que ce ne sera plus seulement l'agglomération mulhousienne, mais également Colmar, Cernay, Saint-Louis. Et puis aujourd'hui, nous avons pour l'essentiel des grands groupes, parce que ça leur est plus facile, c'est normal, mais je les ai incités à ce qu'ils puissent faire des émules et qu'autour d'eux, soit dans leurs clients, leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, leurs relations professionnelles, ils puissent aussi inviter des entreprises plus petites, des entreprises petites et moyennes. C'est un peu ce qu'on dit en agriculture, en alimentation, le circuit court. Ici aussi, c'est le circuit court. L'entreprise est proche des habitants qui sont autour et elle se destine de façon prioritaire à ces publics pour les aider à trouver une formation et un emploi. Des propos recueillis par Marine Zis. Un potager dans sa cuisine, cette idée, un Strasbourgeois l'a réalisée. Étudiant, il manquait de place pour jardiner. Il a alors créé le pousse-légumes, une mini-serre qui peut s'encastrer facilement dans les cuisines. Elle permet de faire pousser tout type d'aromates et de plantes grâce à une technique de culture hors sol. Un produit qui intéresse fortement les restaurateurs, Camille Roland. Alors, bonjour les enfants. Bienvenue à Cuisine Aptitude. Alors moi je m'appelle Thibaut et ensemble on va faire un peu de cuisine et de la pâtisserie. Depuis 2 ans, le chef Thibaut propose des ateliers dans sa cuisine. Mais aujourd'hui, une boîte un peu particulière est de la partie. À l'intérieur de cette mini-serre violette, une douzaine de plantes poussent dans des pots. Ce potager électroménager encastrable permet aux restaurateurs d'avoir des jeunes pousses, des aromates, des mini-légumes et fleurs comestibles directement dans leur cuisine. C'est le côté pratique où on a les herbes dans la cuisine, puisque à Strasbourg, c'est vrai qu'on n'a pas la capacité d'avoir un jardin à portée. Notamment cet après-midi sur l'atelier avec les enfants, on va pouvoir chercher les herbes fraîches directement dans le pousse-légumes et je vais également pouvoir leur faire découvrir les herbes, voir s'ils les connaissent. Ça c'est de la menthe, ok. Du coup ça aussi, tout ça c'est de la menthe. Ça c'est du basilic, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici poussent sauge, basilic, estragon, persil ou encore menthe. Des plantes communes, mais libre aux restaurateurs de faire pousser des plantes plus rares au goût atypique. Un moyen d'avoir des produits frais tout en réduisant le gaspillage alimentaire, le restaurateur ne coupe que ce qu'il utilise. Ça pourrait permettre de développer des pousses encore inconnues pour certains chefs par exemple.
Et niveau coût également, c'est beaucoup plus avantageux parce que les micro-pots, c'est quand même des produits qui sont relativement chers. Donc de pouvoir les développer soi-même et les faire pousser soi-même, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Comme ce chef, une vingtaine de restaurateurs de Strasbourg, Metz et Nancy testent le pousse-légumes, un produit qui sort tout droit de l'imagination d'un jeune Strasbourgeois lorsqu'il était étudiant en faculté de pharmacie. L'idée de base du pousse-légumes, c'est déjà une problématique personnelle. Je voulais avoir un potager à la maison, mais je n'avais pas de jardin, pas de balcon. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est de pouvoir l'intégrer dans ma cuisine. Et j'ai compris après qu'il y avait de réelles problématiques, surtout pour les restaurants, qui eux sont à la recherche de produits d'aromates qui coûtent très cher à l'achat et qui leur permettent d'avoir des produits frais directement à proposer à leurs clients. Et pour créer cet appareil électroménager, Anthony s'est entouré d'une équipe. 4 ingénieurs en conception, en électronique et modélisation ont ainsi conçu le produit en 1 an et demi. Son innovation principale, une technique de culture hors sol qui place les plantes dans des conditions optimales pour pousser plus rapidement. On utilise ce qu'on appelle nous l'hydroponie, donc c'est un mot un peu barbare en fait, c'est une technique de culture hors sol où les racines elles baignent dans une solution nutritive. L'utilisateur, ce qu'il a à faire, c'est tout simplement choisir une des zones dans le pousse-légumes, de prendre un pot, de mettre un substrat avec les graines directement dans le pousse-légumes, de sélectionner la variété et d'activer le cycle de culture directement sur l'application. C'est vraiment un produit où on est totalement autonome. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de l'arrosage, on ne s'occupe pas de la lumière, de la luminosité, de l'humidité, de la température, des nutriments, le pH également qui est important. Tout ça, c'est contrôlé par le pousse-légumes. Et la jeune pousse porte bien son nom. Elle a été lauréate du concours étudiant-entrepreneur innovant du générateur de start-up Semia. Actuellement, le produit est en phase de test avant sa commercialisation prévue d'ici l'été 2020. Ils sont lycéens mais aussi entrepreneurs. 2500 élèves de la région Grand Est participent depuis le début d'année au championnat des mini-entreprises Entreprendre pour apprendre. À une dizaine de jours de la finale régionale, Cécile Motte s'est allée à la découverte d'une de ces mini-entreprises. Son créneau, remplacer le coton démaquillé par une version réutilisable. Moi, je fais partie du service communication marketing. Dans l'entreprise, je fais partie du secteur commercial. Alors, je suis responsable communication et marketing. Ici, chacun son rôle. Du haut de leurs 15 ans, Rose, Antoine et Anaï sont certes lycéens, mais surtout à la tête d'une mini-entreprise. Dans le cadre d'un concours de l'association Entreprendre pour apprendre, ces élèves sont à l'origine de Cote & Co et ils ont tout fait. Logo, matériaux, site internet, vente, leur produit est déjà commercialisé. Il s'agit de coton réutilisable pour se démaquiller ou simplement pour se laver le visage. On a regardé du coup... Ce qui pouvait plaire le plus et ce qui était faisable dans le social, économique et environnemental. À notre première vente, on a réussi à écouler tous nos stocks, donc on était plutôt contents. Ça nous a beaucoup motivés. Voilà, donc on a écoulé 400 cotons en un mois, donc c'est déjà un bon chiffre de départ. C'est une aventure et donc j'en suis fier, bien sûr. Ça me donne des idées pour plus tard et aussi que de la conviction et de l'engagement, ça, on peut mener toutes nos idées avec du travail aussi. Il leur a fallu 6 mois pour faire naître leur mini-entreprise, une aventure encadrée par leur professeur. Ils ont appris beaucoup de petites choses, finalement qu'ils auraient appris, qu'on n'apprend pas à l'école en fait, qu'ils auraient appris le jour où ils se seraient mis à travailler dans une entreprise ou à faire leur premier stage. Voilà, comment on écrit un mail, comment on envoie un message, sur quel ton on doit répondre, à qui, comment est-ce qu'on doit s'adresser à nos partenaires, comment s'organisent des rapports de hiérarchie, comment s'organise le travail d'équipe. C'est vrai que c'est des choses qu'au final, ils font que très peu dans une scolarité normale, je dirais. En plus des valeurs humaines et qualités professionnelles, comme l'écoute et l'entraide, les jeunes entrepreneurs ont dû trouver des partenaires. L'entreprise Grandir Nature leur fournit la partie microfibre, le tissu leur vient d'Emmaüs Mundelsheim et les liens avec l'association vont plus loin. 20% des bénéfices des ventes leur sont réservés. À Emmaüs, 3 personnes en réinsertion sociale s'occupent de la production. En 5 semaines, 1 millier de coton a été réalisé. C'est un des credos d'Emmaüs que
que d'allier l'économique, l'environnemental et le social. Ça fait partie de notre ADN à Emmaüs Mundo. Et donc on a été hyper réceptifs et on les a accueillis avec beaucoup de bienveillance. Les suites qu'on envisage, nous, c'est évidemment de pérenniser cette activité-là, voire de la faire monter en capacité. Et ensuite, pourquoi pas, dans le cadre de nos futurs projets, développer d'autres projets autour de la couture, des projets plus créatifs encore qu'à l'image de ces cotons démaquillants. Cette production va donc perdurer. Les élèves de seconde, eux, vont poursuivre leur aventure côté concours. Ils affronteront d'autres mini-entreprises régionales le 5 mai au Conseil de l'Europe. S'ils sont sélectionnés, ils participeront ensuite au championnat national et pourquoi pas même remporter le championnat européen des mini-entreprises. Si vous souhaitez les rencontrer ou acquérir leurs lingettes, ils seront le 19 mai prochain à Weyersheim dans le cadre de l'éco-manifestation Basdorn à l'envers. Depuis plus de 3 siècles, le mobilier national a pour mission l'ameublement des bâtiments officiels de l'État. Il contribue ainsi à la transmission des savoir-faire en réalisant de nouveaux objets. Tout récemment, il a acquis 2 œuvres du photographe plasticien alsacien Ralph Samuel Grossmann. Elles servent de modèle à une tapisserie et un tapis, Nora Boirioua. Le mobilier national de Paris est une étape régulière du quotidien de Ralph Samuel Grossmann. Photographe, plasticien, il vient ici suivre la réalisation d'une tapisserie et d'un tapis. 2 objets aux motifs inspirés par des images de sa série Soleil des forêts. Ici, tout est fait entièrement à la main par des lissières. Quand on voit l'image en petit, que certains points de couleur sont très vifs. Et donc, je montrais ces points et elles étaient d'accord qu'elles pouvaient essayer par endroits de rajouter des fils de couleur très vifs qui vont donner un sentiment de lumière. Voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant comme collaboration parce que, si vous voulez, moi, j'apporte ma perception de l'outil photographique ou de l'image photographique. Et elles sont très professionnelles dans leur domaine de la tapisserie et donc elles amènent évidemment leurs propres solutions. Ralph Samuel Grossmann consacre son travail au paysage et à l'impact de la science dans notre perception de la nature. Originaire de Strasbourg, il a passé son enfance dans le Grand Ried d'Alsace et c'est de là que lui est venue son envie de découverte et de voyage. Ce que je trouve intéressant dans le paysage, c'est qu'à la fois on le voit, mais lorsqu'on le parcourt, tout d'un coup on découvre des choses qu'on n'avait pas vues lorsqu'on l'a regardé, je dirais, un peu à distance. Et c'est ça beaucoup qui m'a amené, je dirais, à la création. Alors après, bien sûr, j'ai travaillé dans une école d'art où j'ai été formé aux États-Unis. Donc on apprend, je dirais, un peu à représenter le paysage d'une certaine façon en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Il faudra encore 2 à 3 ans pour achever la tapisserie et le tapis. Une couleur inédite de vert, créée et utilisée par les lissières, portera même le nom de l'artiste alsacien. Une fois les créations finies, elles seront déposées dans des bâtiments officiels de l'État pour exposer le savoir-faire de l'art français. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour, Olivienne. C'est la grande tendance culinaire de ces dernières années et il ne faut surtout pas la confondre avec les fast-food, vous allez les vexer. Agno va accueillir le week-end prochain son premier Food Truck Festival. Une 20aine de véhicules pour découvrir des plats asiatiques, mexicains ou italiens et évidemment des burgers et de la cuisine locale. À la Houblon de Agno, samedi jusqu'à 22h et dimanche jusqu'à 20h avec également des animations musicales.